Zami internaut, gen yon bagay k'ap devlope la nan communauté haïtienne nan timidement. Faut nous pas prendre ça à la légère. Faut psychologue yo parler sur ça k'ap passé là nan communauté haïtienne. Et puis tout, faut nan émission yo supposé gen yon rubrique pour parler sur ça k'ap devlope là nan communauté, parce que si nous quitter ça passer comme ça, nous risquer perdre un peu jeune garçon avec jeune fille, et ceci c'est suicide, y a suicide tête yo. Parce que Jean pays ça y est là, li pote un peu stress, li pote dépression, problème pays y a ben toute qualité problème. Gen un journaliste qui la gen famille avec zami yo avec et puis collaborateur yo nan gros kè sauté. Misere rele Dieri Maslin. C'est next nan gade sur écran là. Et l'homme fait recherche de monsieur. Vraiment vrai, monsieur son journaliste. Monsieur c'est rédacteur dans Ticket Magazine. Monsieur c'est PDG yon un groupe qui rele Tchoul. Monsieur c'est acteur, scénariste dans Naldo Entertainment. Monsieur c'est PDG DM Group. Monsieur c'est secrétaire exécutif dans Valencia FC qui c'est yon une équipe football. Et puis tout, monsieur c'est rédacteur dans Le Nouvelliste Haïti. Monsieur c'est un journaliste qui travaille dans radio Amical FM. Monsieur c'est dramaturge, poète, artiste qui non troupe qui est le Piclise. Monsieur c'est rédacteur dans Rara la Kainou. Et puis tout le monde fraison dans Kalalou, monsieur c'est tenant université. Monsieur c'est un étudiant qui dans faculté des sciences humaines. Monsieur c'est un étudiant tout dans IEH qui c'est faculté des droits des sciences économiques. Et puis tout monsieur passé dans divers bagages. Et puis tout monsieur c'est moun qui sorti dans ville Lagonave Haïti. Et puis tout monsieur Misem kwe li nan yon fondation. Misem se li se redakte tout nan CFM Fondation INC. Se sa nou gen kom information avec detail sou Dieri Maslin. Sa ki pral panike, se ki pral komplike disparition misem. Yon ete yon ajan mwen misem. Fami ap chèche misem depi plusieurs jours. Yon pa konn kote misem fè. Ça pas le plus grave là. Non, non, c'est là. C'est là, yo monté sur Facebook, monsieur. Monsieur arrivé fait un post Facebook. Et puis tout, monsieur écrit, c'est un courant monde qui pas qui pour aller souci de tête li, même gens avec dossier dans la carte du plan. Dieri Maslin écrit sur compte Facebook li fait pour faire connait. Den tout le monde ça touche en pile. Façon nous tous a inquiété pour moi. Ça fait, il dit ça fait l'âme yo recouler encore. Il parlait de l'eau qui dans gel. Pendant penser m'était fini à cause crier. Pourtant lui-même il tenant n'a dit il va jamais ça ta fille. Dieu fait connait sous toujours dans même poste là. Il dit dans l'idée pour me calmer nous. Moi vinn din formellement malé. Den tout moun sa yo concerné. Moi pa courir pour chay moi ni pour me pas faire face à conséquences et rem yo. Ça pas semble. Moi te capoté tout chay. Croyance yon joum m'a privé déposer yo sous tête mon nan. Mais c'est il dit ça qui récit trop lou c'est garde nan jérou ou même ak Henri de nan ses parents monsieur ou bien papa. C'est comme ça son petit sinon. Ça veut dire c'est avec lui parler. Il dit mais ça qui récit trop lou c'est garde nan jérou ou même avec Henri qui j'aime tourner yon sous la peine depuis décembre 2017 c'est ouais non j'ai papa
m'tande nan parole li, j'aime tourner yon déception pour li. Oui. Li te kon a promené avec canet 4 mois et 9 et 4 premiers pour faire jolé ak zanmil. Ça veut dire là Jerry Maslin son nek te fò l'école. Li fè konnen papa ran te konn a promené c'est papa avec 4 mois et 9 mois c'est 4 mois et 9 il te konn fè l'école. Pour papa a passé tout côté avec nan bas zanmil pour la faire jolé, c'est ça l'écrit là. Et il fait qu'on est, il dit, moi, l'icône a promené à Cléoné, pardon, cap étudié dans deux facultés. Ça c'est parole qui a fait jolé pour petit li. L'a fait jolé pour Jerry Maslin, cap étudié dans deux facultés. Et puis tout, l'homme de faculté, et pas faculté, loi roi de Sparta ou bon comme non, faculté l'État. Faculté l'État, pour entrer dans le magasin, il faut passer l'examen pour bon. Ça nous clair sous lui. Et puis tout, il dit, par un cap cléoné, cap étudiant dans deux facultés l'État, qui prend l'avocat, parce que forme du bien, mais c'est étudié droit, il dit, ça me tourne dans gel, je dis, c'est moi. Il dit, m'pa dépenser. Préparez-vous pour te tomber la jodia. Il dit, moi espéré, papa, vigile, absence moi va sécher de l'eau dans géo. Moi désolé si m'pa arrivé continuer rend nous fier. Ben, il met un petit icône qui triste. Il dit, moi pas arrivé sorti non, tout ça me tombe là. Depuis décembre 2021, trois attaques volant dans quelques mois enterré me pifon. Moi pas réussi qu'un bien promesse moi même si tu souhaité suivre plan qui était dans tête moi qui était dans tête moi mais moi pas lui dit mais moi prend toute responsabilité échec là yo, il dit s'il vous plaît, si mérite ça, protégez nom qui c'est Jerry Maslin. C'est seul nom ça mérite. Tout moyen, tu dis tout moyen yo là pour gérer tout bagay. Tant t'es joué contre moi et puis l'esprit pas jam en paix pour moi côté côté m'a passé. Mon espère absence moi va aider dans sens ça. Ça veut dire c'est disparaître dans société. Gen document dans chambre moi ka ba nou direction. Parler ak pasteur la ban toute explication sur un parti dans ça gen pour nous faire. Et dit considérer 5 mois seul. Moi te gen tan payer. Après, nous kon à tout le monde, nous devons parler. Ce n'est pas qu'on est, document yo va din. Il dit, moi aller avec la foi, n'a qu'à recroiser, il dit, absence moi a vraiment aidé plus. Présence moi te tourné, yon poison. Den, et puis tout, li mette yon icône qui vont Thibaut. Ça c'est lettre qu'elle écrit, ça c'est post qu'elle fait là sur compte Facebook li avec photo ça qui affiché côté monsieur couché sur cabane ni monsieur mettait gros qu'elle sauté monsieur mettait gros la Perez avec famille. Mais ça qui va soulager en pile monde après post ça post ça li fin fait là qui gagne plus que 12 heures de temps sur Facebook monsieur retourné parce que monsieur j'ai un pile message en pile appel côté monsieur retourné poster encore li dit Lisaï, son façon pour saluer moun yo. Il dit, moi désolé, message moi hier soir créé confusion et panique. Il dit, c'est pas dans l'idée qui marque. Mais, à continuer, goumé. Il dit, moi à continuer goumé contre lui, je m'en fais depuis
17 mois. Malé dans sens propre thème. Moi pense ça te clair ak phrase. C'est celle ça moi rete et puis vinn di nou formellement malé. Vle di moi te gen temps aller. Ça veut dire les mi se dit aller a c'est pas les salité aller. Si ça veut faire qu'on est dans l'autre poste, li écrit qui gagne c'était temps pas de m'appeler là. Li dit plus gros service nous ka rendre moins c'est pas chercher m tant pri. Qui te m'bousqué yon ti moso la paix. Moi perdu depuis décembre 2021. Voilà, c'est raison qui fait me dit faut que psychologue yo parler dans ce qui a passé là dans pays d'Haïti parce que nous risquons perdre en pile jeune. Tandis que c'est lui là aller mais le là aller c'est pas aller salté aller il est allé depuis bien longtemps. Il dit mon nous pas chercher pour moi, pas chercher. Qui te m'bousqué yon ti moso la paix, mais te perdu depuis décembre 2021. Li di encore une autre fois, il dit encore une fois, moi désolé pour tout préjudice, c'est la cause. C'est pour ça dernier service m'a demandé famille c'est prendre disposition pour réparer ça qui capable. L'amour pour nous. Et pour ça, grand pi moun qui like li contrairement avec poste qui te fait qui te met en pile tristesse, en pile chagrin, gen moun qui baille. Yon like de collaboration qui gonti icône qui bon ken en mille gen moun ki like li ki gen ki mete ke et puis tout li gen 714 like li gen 440 commentaires li gen 157 partage c'est ça comme post Jerry Maslin fait matin là pour mettre moun nou nan lumière pour faire konnen c'est aller pour la reposer. Parce que lui voulait pour un petit rappel, parce que lui perdit depuis décembre 2021, il t'a remis joindre, il a mis la paix. Il dit famille, pas chercher, quitter. Il veut qu'on ait, même que pour ça, lui fait à te mettre en pile et confusion, il fait qu'on est là, mais c'est la paix, l'a cherché. Mes amis, ou même qu'il a cherché Jerry Maslin, il fait qu'on ait un texte qu'il a écrit sur Facebook là. Pas chercher, quitter, aller chercher un petit mot sur la paix, aller reposer, ça nous dépense, c'est pas ça lié. Jerry Maslin, belle et bien là, ou même qu'à chercher, ou même qui a sauté, ou même calmer nous parce que lui belle et bien vivant. Mes amis, c'est tout, et façon de gagner pour aujourd'hui, là-bas, et c'est like ou abonner, peser sur la notification, pour les nagons vidéo, pour pas rater. Les gars, vous m'avez malé, n'a croisé, dans l'émission. Pour nous venir traiter, on l'autre dossier. Et le dossier n'a venir traiter la poubelle toujours. Pas hésiter que nous gagnons commenter moins. Partagez la vidéo ça. Faites-nous rejoindre notre famille, on notre ami. N'allez, rendez-vous dans la prochaine émission. L'argent lui-même lui traversé le système bancaire mondial. Là. Parce que d'abord, on t'a supposé que le monde qui fait attaque ça, c'est les monde qui t'a trouvé yo, et dans l'international, là, par exemple, en Chine, aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas qu'à juste rester côté OIE pour que vous preniez l'argent directement. Parce que pour nous dire que, bien ça, les communications qui existent entre toutes les banques, alors comme dit toutes les banques, qui c'est système que nous avons appelé système SWIFT là, qui c'est, qui, si nous avons traduit en anglais, qui c'est Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Ça veut dire, pour l'argent sorti en Haïti pour que, par exemple, y aller aux États-Unis, pour aller en Chine, pour aller par exemple en Russie, si nous songeons par exemple, après l'attaque que Russie s'est fait sur l'Ukraine, et États-Unis étaient tenté de couper Russie de système SWIFT là. Donc pour l'argent, nous avons saisi sorti en Haïti pour y aller à travers une banque internationale, d'abord, il faut que l'argent lui-même lui passe par système SWIFT là. Et même si en Haïti, nous n'avons pas réussi à capter le monde, c'est certain que nous avons capté quand même quelque part, côté que l'agence a réussi à traverser. Donc nous pensons que si l'argent qui t'a censé bail, l'état censé fait dans gens qui plus courant qui gens que lié c'est que à pile fois gars ça nous les ransomware là qui c'est un type de cyberattaque côté que mon ali même li capter système là et puis il m'a dit les rançons li bloquer système complètement ou pas gagner accès avec système là et le pas gagner accès avec système là nous tomber dans l'autre forme de cyberattaque que nous les généralement et DOS qui c'est denial of service à partir de ce moment
généralement moun sa yo kon mande yo forme de rançon et rançon sa yo yo kon mande yo sous forme de ça nous relé l'argent électronique yo par exemple Bitcoin et en paquet l'autre et moyen de paiement électronique qui rendent que les difficile pour que ou tracer moun sa yo. Donc en ce qui a trait avec l'argent nous gagnons des doutes sur les jusqu'à présent mais ça pas empêcher que pour nous t'a dit système BRH là ou bien système bancaire Haïti a ta recevoir une attaque important qui t'a peut-être causé des dégâts irréversibles parce que si nous entrons dans base un système informatique même qui s'allie un système informatique est divisé en trois parties et je dirais en grande partie divisé en trois parties donc une première partie qui c'est interface utilisateur là qui c'est partie que tout le monde peut accéder à elle pour créer un compte pour processer son paiement pour faire quelque chose sauver là. Donc en deuxième partie en soi c'est serveur là. Et serveur là il est divisé en deux parties, c'est code serveur là et puis base de données là. Et je dirais base de données là lui-même c'est lui-même qui est plus important parce que base de données là, c'est lui-même qui gagne toute information yo et si on dégâts pour fait, dégâts après le fait au niveau de base de données là. Now, pour une attaque fait généralement on t'a dit que on prend l'autre forme attaque qui est SQL injection. SQL injection là c'est une attaque côté que mon a attaqué à partir de interface utilisateur la même. Par exemple, on dit que on va rentrer sur Facebook et puis dans l'espace côté, il m'a dit pour mettre nom là, m'a injecté un script SQL qui permet que li accéder à base qui permet que l'aller au niveau de serveur là, l'arriver jusqu'à base de données et recevoir des informations que li pas supposé gagner accès ensemble avec lui. À partir de ce moment, avec accès que Mounsa gagne avec tout genre d'informations, ça y est. On dit par exemple, y a un monde qui prend accès administrateur, par exemple, l'a bien accès pour transférer l'argent, l'a bien accès pour faire toute une série de démarches que pas ta même supposé. Sauf que jusqu'à présent, ça pas garanti que bien l'argent transféré parce que même si Mounsa a un accès dernier niveau qui t'a permettre que les transférer l'argent, je dirais à l'international, même si lui-même il a gagné accès pour que li efface ça dans système haïtien c'est certain que moi pas quoi li en même temps tout gain accès dans système chiffre là pour que li ta effacer information ça mais jusqu'à présent ça pas retiré possibilité pour que le système bancaire haïtien ta subi yon attaque sévère jusqu'à présent parce que pour dire la vérité en ce qui a trait avec upgrade système pas quoi ça t'a supposé prendre tout le temps ça pour la simple bonne raison que généralement le NAP ou le système yo nous fait ça durant le week-end. Le week-end qui c'est période par exemple côté que et gagne moins utilisation ou par exemple gagne moins utilisation ou bien pas gagne utilisation du système là du tout. On fait ça durant le week-end et généralement son processus qui pas prend plus que 2 heures, 3 heures à 4 heures de temps. Now, li ka prend plus temps si gagne un problème qui posé au niveau pas droit faire upgrade là à partir de ce moment si il y a un problème qui posé nous juste fait ça reler yo rollback nous font rollback là qui s'allier on t'a dit que système là t'a gagné version 2.3.4 et que wap essayer update système là upgrade système là à 2.3.5 et que gon problème qui posé version 2.3.5 là pas veut marcher dans environnement qui reler production hein? À partir de ce moment wap rollback tout ancien version que t'a gagné qui disponible là qui c'est 2.3.4 pour que moun yo cap toujours continuer utiliser système là en attendant que ou même wap résoudre problème qui gagné dans version 2.3.5 que t'a tenté et déployer là. Donc pour moi même jusqu'à présent si t'a gagné un problème qui posé et que yo dit que c'est un upgrade que t'a eu moi trouvé que le prend trop de temps. Il va la supposer prendre tout le temps ça. C'est-à-dire, même si tu as un problème qui posé dans la nouvelle version, ancienne version qui t'a marché déjà, tu as supposé disponible pour que continuer à utiliser. Parce que le système n'a pas le droit de camper, automatiquement que le système n'a pas campé, c'est l'argent qui a perdu. Now, si nous avons prendre par exemple version qui dit que le changement de système qu'a fait, il y a un changement de système pas qu'a fait de manière drastique comme ça. Il doit être fait de manière, je dirais, progressive. Là, on parle de manière progressive, ça veut dire que, on t'a dit que, ou bien, SPI hein, qui là qui c'est le système de paiement interbancaire haïtien hein, qui là et que ou t'a voulu prendre décision pour que remplacer par un autre système. Donc pour faire remplacement hein, ou t'a supposé toujours quitter SPI là ou t'a supposé toujours quitter SPI là en attendant que progressivement ou implémenter nouveau système là. Parce que intégrer un nouveau système et non institution, c'est pas quelque chose qui fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps pour que vous faites interconnexion. Et non seulement il prend du temps pour faire interconnexion, mais il prend du temps pour que vous testez nouvelle intégration ça, juste pour garantir que le nouvelle intégration ça arrive dans la production pour le marché bien. Parce que
dans grande institution ça yo gagne plusieurs environnements. Gagne un environnement qui est l'environnement de développement. Environnement de développement, c'est côté tout ingénieur a développé code, testé code pour assurer que tout bagaille marche bien. Le fin développer code là, yo konn voye le deuxième environnement qui sont environnement de test. Environnement de test là, c'est environnement côté que gagne des monde qui relé QA, c'est-à-dire des monde qui là pour utiliser système là pour analyser pour est-ce que système là vraiment répond à objectif li. Et c'est seulement le monde ça revient by lumière vert, il dit que toute bagaille correct, système là répond avec tout ça tu supposé faire. À partir de ce moment, yo pral déployer système là production et environnement de production, c'est environnement côté que grand public là lui-même, il gagne accès à système ça. Et même là encore, ou qu'on a un système qui marche dans le développement, ou qu'on a un système qui marche par exemple dans environnement de Tesla et puis là arrivé dans la production, grand problème qui posait. À partir de ce moment, on obligé retourner système ça dans développement encore et puis font rollback pour continuer utiliser le premier système là. Donc pour moi même jusqu'à présent, et version upgrade cap upgrade système là et version remplacement pas qu'un B parce que on pas qu'à juste rester ou suspendre utiliser un ancien système et puis pour remplacer le par un autre ou pas même connait qui quantité de temps que ça va prendre pour remplacer le par un nouveau système parce que dans genre ça nous permettre que ou élaborer pour moun yo capable bien comprendre puisque c'est domaine nous ou geta écarté et deux thèses ou exprimer réserve qu'on gagne sur yo mais on prend et troisième thèse là qui c'est thèse à partir de laquelle nous t'ai partagé quelques éléments d'information avec auditoire la matière qui c'est éventualité d'une cyberattaque. Est-ce que vous même dans compréhension pas ou dans expérience pas puisque nous connons travail aux États-Unis pour plusieurs institutions bancaires ou ouais que li possible pour banque centrale t'as capable de faire l'objet d'une cyberattaque. Si oui, comment ça? Mais bien sûr que oui. D'ailleurs, pour te dire la vérité, une cyberattaque, c'est quelque chose. C'est la chose la plus courante qui existait. Parce que ce qui s'est passé, il y en a pas qu'à comprendre, c'est que question cyberattaque là, elle est venue à partir du moment que Internet existait. Ok? C'est-à-dire, ancien téléphone, peut-être coucou que vous avez gagné longtemps, yo, qui n'a pas de moyen pour que vous connectez sur Internet là, pas de aucune possibilité de cyberattaque sur vous. Cyberattaque la vini à partir du moment que Internet la vini existait. Parce que ça pour comprendre, c'est que même si vous trouvez au côté en Haïti, même si vous trouvez en Chine, quel que soit trouvé en Russie, quel que soit pays que vous trouvez dans le monde là, nous tous nous connectons sur un grand réseau qui s'est en courant fil araignée, qui est ce réseau Internet là. Donc ça veut dire que quel que soit côté vous trouvez dans le monde là, nous tous nous interconnectons entre nous. Et à partir du moment que nous tous nous interconnectons entre nous, par côté vous n'avez rien, portez une attaque sur. Par exemple, je dis à la, si moi monte par exemple sur n'importe système compagnie que l'IA et que moi tenter faire un SQL injection pour moi, est-ce que me ca dilet quelque, est-ce que me ca effacer quelque information dans base de données yo, ça son cyberattaque que l'IA. Si mal entrer dans quel que soit système que l'IA mal tenter ouais par exemple, si que moi ca faire ça relé un brute force attaque, qui ça relé brute force attaque là, brute force attaque là c'est côté que moun nan a tenter imaginer des mots de passe que le pense au camité pour ouais est-ce que le ca prend accès à système ça, ça sous forme de cyberattaque lié. C'est la chose la plus simple qui existe au monde à partir du moment que vous trouvez vos réseaux internet là ou susceptible à attaque. Mais qu'on y a là, susceptible à attaque par les dit que attaque ça a réussi parce que si c'est pour attaque yo, il y a vini, il y a toujours vini, il y a continué vini. Ça qui est plus important qu'on y a là, c'est gagner une infrastructure qui est solide juste pour garantir que ou capable imaginer d'avance attaque là avant vini. Parce que attaque la pad ou vient pour une surprise. C'est même genre par exemple, lors monte un avion, yo prépare pour que si t'as rien en complication qui arrive dans l'air, comment pour que on défende tout. C'est même genre tout. Attaque là, c'est pas le vini que on doit préparer pour lui. On doit d'avance préparer pour que avant attaque ça même arrive sur vous, pour que on capable protéger tout. Now, si on arrive non mot ma côté que pour la première fois depuis existence li, BRH prend tout le temps ça pour que li fait utilisation d'un système que lui-même yo t'ai fini implémenter mettre sous pied li pousser nous à poser cette question qui niveau de sévérité qui gagne qui la cause que BRH prend tout le temps ça pour traiter information ça ou pas oublier que leur campion système qui te permet que transaction l'argent fait dans facteur de une journée ou bien de 24 heures de temps ou camper pour faire qu'on y a dans 10 jours ou bien pour faire qu'on y a dans une semaine s'il a fait au niveau de capital là gain perte d'argent tout et non seulement gain perte d'argent mais gain dépense de plus que fait parce que leur par exemple ou obligé de 10 jours pour que vous transférez une information dans la ville de province
information ça parler de parler même il y a un dépense qui fait pour que information ça information ça aller alors que à partir de système SPI hein, ou t'as qu'à juste rester à partir d'un simple clic information ça aller donc là ça arrive comme ça. Leur accepter utiliser une ancienne méthode que vous avez utilisé longtemps, méthode manuelle, méthode sur papier, parce que tout simplement, ou dit, gain rumeur qui dit son upgrade, ou bien gain rumeur qui dit, par exemple, c'est, je dirais, un changement de système. Là, les pousser nous à poser une question. Est-ce que cyberattaque que vous avez prétendu qu'il fait sur vous, n'est pas arrivé réussi? Ou bien si cyberattaque ça li pas ta réussi et que ou même li rive sou et ou suspecte que si ou ta quitté système ça a marché si le tourner encore li ta réussi ka gen grave problème qui pose donc d'avance ou tout campel à partir de ce moment la chose la plus simple au monde pour faire c'est communiquer avec grand public là alors l'homme dit communiquer avec elle ou pral communiquer avec elle pour bal des informations dans mesure que ou ka bal information parce que il y a des informations qui internes à système bancaire là que monde dehors pas jamais connaît et pas jamais connaît juste pour sécurité monde dehors même pour ça me dit pour sécurité monde dehors parce que monde dehors là c'est lui même qui gagne l'argent dans la banque là donc pour propre sécurité l'argent par là il y a des informations que ou pas kabali parce que parmi mouche pas contre mal ou pas contre femelle ou pas contre femelle ou pas contre qui est-ce qui pral recevoir information ça mais quand bien même ou doit communiquer ensemble avec mon yo pour dire exactement qui ça qui problème là et mais comment pour que yo recevoir information ça parce que lorsqu'il c'est mon yo qui chita y a imaginé à partir de ce moment ça nous ta peut-être prend par exemple pour une spéculation hein, les commencer qui une forme de vérité les commencer prend une forme de vérité parce que c'est pour la première fois depuis existence SPIA que j'ai un problème ça passé et jusqu'à présent nous pas sur plus qu'une semaine malheureusement c'est toujours même problème là. Nous pourquoi je me connais qui ça passé. Ingénieur Moreno, avant de me poser une question, je vais poser là. Je vais simplement souligner pour vous une grande différence entre rumeur avec ça, moi-même, moi, t'es vous. Commence pas journal là et ça moi évoqué c'est pas moi même qui juste imaginer ou bien penser d'ailleurs me dit mon yo ça c'est pas analyse me fait c'est pas considération me fait c'est plutôt des éléments de formation et son source à l'interne qui ban moi yo donc qui parlait quand même de une attaque qui très élevée jusqu'à ce que yo décide mettons l'autre système. OK, donc non texte moi publié hier d'ailleurs c'est ça qui prétexte là qui fait n'a parler matin moi on évoquer son relé vulnérabilité et Haïti par rapport avec question internet question informatique comment vous expliquez vulnérabilité ça ingénieur Moreno Jean-Baptiste. Vulnérabilité a existé faut aller non plus au niveau pour que nous commençons avec vulnérabilité a. Parce que bam Jean Bagay Johnny Ferdinand il y a un bagage qui fait force système bancaire là c'est confiance que public la gagne là-dedans à partir du moment que gagne confiance qui perdu vulnérabilité a commencé là on va dire mon clair que cyberattaque là pas commencé à partir du moment que système ça campé là cyberattaque là il commencé à partir du moment que moun n'a saute dans banque gagne un monde qui attaque qui dit mais quantité cop que lui sur lui cyberattaque là li commencé à partir du moment que par exemple mon n'a gon l'argent la banque pour une simple bonne raison que il était les juste voir l'argent ça a disparu et on pas capable explication sur lui c'est là la cyberattaque a commencé parce que pas oublier que nous a fait cyberattaque li ka fait à plusieurs niveaux li ka fait de manière extérieure li ka commencé de manière intérieure commencé de manière extérieure c'est le par exemple yon moun ki dehors de par lui-même li fait attaque là attaque la réussi. Leur social intérieur, c'est là que gagne un monde qui est dedans, qui gagne qui gon niveau important dans système bancaire là, qui gagne des informations ça yo, li partage yo avec des monde qui dehors et monde qui dehors là, li utiliser information ça yo pour que lui même li fait cyberattaque là. Donc, si que dans système bancaire là gagne un problème par exemple transparence et deuxième non seulement gagne problème transparence mais par exemple, l'homme pour un pays tant qu'on Haïti, on a se dit que en matière d'informatique, Haïti c'est presque zéro. Bon, pour exemple, ça m'a vu. Je dis à la Simgon chèque quand même, dans le confort, quand je côté Mchita, je vais juste aller à l'application banque moyen, je scanne le chèque là, et puis, dans l'espace de 2 à 3 jours, dépendamment si je me trouve dans le week-end ou bien si je me trouve dans la semaine, comme ça, elle même, la disponible sur compte moi. C'est un bagage qui est très simple. Je dis à la, il y a un monde qui aller dans n'importe ATM, ou déposer chèque ou. C'est quelque chose qui est très simple. Je dis à là, yon moun pas forcément obligé d'aller dans la banque pour aller faire retrait.
ou ka juste aller dans n'importe ATM ou faire retrait. Gen ça en Haïti tout. Mais malheureusement, quantité a réduit. Jodi a là, on t'a censé dire que yon moun ki gen cash nan mel États-Unis, li presque pas konn ki sa pou le favel. Parce que partout quelque soit côté rivé, ou gen accès avec système informatique pour que ou faire utilisation de un carte de débit ou bien un carte de crédit pour que ou faire n'importe transaction que ou ta souhaité faire. Donc ça veut dire que gon certaine expérience, gon certaine maturité que système bancaire que États-Unis a déjà gagné. Parce que pas oublier que vulnérabilité yo existait partout. Yo existait aux États-Unis, yo existait la France, yo existait oui en Russie, mais vulnérabilité yo tout temps que système n'a bien plus maturité, ou ap expérimenté sur système n'a plus, ou ap rencontré erreur plus, à partir de ce moment, système n'a fortifié. Mais jusqu'à présent, nous dit en Haïti, gon certaines expériences que nous pouvons vraiment gagner en ce qui a trait avec utilisation de système informatisé dans système bancaire là. Donc manque d'expérience ça que nous gagnons. Lisez pour nous, mais pas oublier que jeune chinois, jeune russe là, jeune qui vive Corée du Nord là, il a avancé longtemps sous nous. Donc là lui-même il a avancé longtemps sous nous. M'a parlé de monde qui gagne capacité pour que yo fait des cyberattaques qui réussit dans le système américain. Je parle de monde qui a une capacité pour attaquer le système américain, qui mature, qui fait des attaques sur le système américain, qui est très très mature, qui réussit. Now, si moun sa yo gen capacité pour que yo fait des attaques sur le système bancaire américain, sur le système bancaire d'autres pays qui plus avancé que nous en matière informatique, qui a plus expérience que nous en matière informatique et attaque que yo fait a réussi. C'est là les en Haïti qu'on y a. Ou d'accord, ensemble avec que nous-mêmes, jusqu'à présent, qui était dans le niveau bébé, en ce qui a trait avec l'expérience que nous gagnons dans le système informatique pour question bancaire. Donc, ouais, Haïti, c'est vraiment une jouette pour genre de monde. Et moi, j'aime toujours dire clair que j'ai l'impression, si Haïti n'est pas victime de gros attaques déjà, qui même mettent les pays dans gros tête chargé, c'est peut-être parce que pour monde, Haïti vraiment pas représenté quelque chose. Par exemple, là, on a gagné un série de gros banques, tant que Citibank, il y a un série de gros banques, tant que Bank of America, il y a un Chase pour le pirater. J'ai l'impression, c'est le fin pirater toute banque, ça y est, s'il songe, il va checker Haïti. Parce que pour lui-même, m'a dit clair, pour lui-même, pour moi-même, si mon ça n'a pas fait de grands attaques sur Haïti déjà, c'est parce que pour eux-mêmes, le jeu ne vaut pas la chandelle. Parce que y a gagné de plus grands targets, de plus grands objectif que yo gagne de plus grande valeur que yo ka joine nan attaque yo si yo fait attaque sur d'autres institutions bancaires à travers le monde entier qui gagne plus l'argent, qui gagne plus moyen, qui gagne plus valeur que Haïti. Mais cependant, pour te dire la vérité, Johnny, connaissant ma expérience système noir, hein, moi dire clair que nous très vulnérables vis-à-vis à performance qui gagne au niveau international là. Parce que jusqu'à présent, pas même quoi vraiment gagne une université en Haïti qui offrit un curriculum qui est vraiment fort en matière de cybersécurité. Ce que nous t'as supposé gagner, parce que je dis à là, nous vivons au 21e siècle, qui est le siècle de l'information et de la technologie. Et m'a dit ça, nous déjà perdu révolution industrielle là. Nous pas qu'il doit rater révolution technologique là, parce que j'en ai dit dans le poste que nous t'ai fait là. Prochaine guerre qui prend gagner, les pas seulement nucléaire, mais l'app essentiellement informatique et l'app informatique. Et soit regardez par exemple l'évolution qui vient entre guerre avec Russie et Ukraine là. Gain pile dans attaque, c'est des attaques informatiques que vous voyez. Attaque par exemple pour bloquer l'électricité, attaque pour bloquer de l'eau, attaque pour bloquer système aéroport, c'est des attaques informatiques que vous voyez. Donc si nous étions dans le niveau ça que nous étions là, je vous garantis que un bonjour n'importe nation, n'importe petit peuple qui plus avancé que nous capable de déclarer nous la guerre informatique et vraiment on pas connaît qui ça me fait dans ce sens là. Seigneur Moreno Jean-Baptiste, ou tellement dit débat qui est important là, parce que nous avons tout le grand boulevard pour nous faire émission, mais celle-là nous avons comme garantie, ou mettre été disponible pour Radio-Télévision Caraïbe. Donc à n'importe quel moment, l'administration, les GIA, responsable de nouvelles, est capable de réaliser une émission spéciale sur ça pour garder en profondeur la question de cybercriminalité. Et comme ça, il va inviter plusieurs experts dans le domaine, que ce soit ici, tant que l'autre Bodlo, et je suis certain que vous-même, êtes très utile. Merci un nous te content fait si parler ça à coup, c'est ton première fois et nous espérons c'est ton dernière fois. Merci un peu Johnny, merci un peu Guerrier et merci à Radio Télé Radio Caraïbes, son plaisir pour que moi dans l'émission avec toi matin et bonne journée.
Et à vous aussi. Voilà, nous t'apprenons ce matin, ingénieur Moreno Jean-Baptiste, ingénieur informatique, les gagnants en maîtrise en software development avec Linda Bessier. Regardez encore une fois, et ça qui passé et BRHA, et essayer de répondre à la question qui ça qui est arrivé, Banque République d'Haïti, a, éventuellement guerrier du sol. Voilà. Nous allons parler à Maître Caleb Jean-Baptiste, puisque pendant le week-end, il y a une vidéo qui t'a pas circulé, qui montrait Maître Caleb Jean-Baptiste sous place dans le cadre d'une arrestation qui t'a faite. Donc, il y a un conseil l'ordre avocat Port-au-Prince qui réagit et condamné complètement Maître Caleb Jean-Baptiste qui, dans une vidéo en ligne, tu as participé dans l'arrestation Yael Johanna Clérier Zrek dans Pèlerin 5 et dans une note qui datait 17 juin. Le conseil dit alarmé et il est pressé informé que citoyen ça. Alors, maintenant, on a parlé de Maître Caleb Jean-Baptiste, il n'est pas inscrit sur aucune liste avocat en exercice, en compte. Stabilité ou en stage. Pour Port-au-Prince. Oui, pour Port-au-Prince, ah, okay. Oui. Le conseil a profité pour condamner convoitement troublant, maintenant qui est échappé à la norme. Et il dit que de principe que avocat pas trouvé sur lieu exécution, on a parlé sur lieu exécution un mandat quelconque. Donc qui ça a dossier ça y est exactement, nous pourrons parler à Maître Caleb Jean-Baptiste puisqu'il a un rapport avec l'agent et donc nous censé faire lien par rapport à sujet nous tape débattre matin. Maître Caleb Jean-Baptiste, bonjour. Une seconde, cher maître. Ok, où est-ce que Ndado. Allô? Ok, bonjour, monsieur Guerrier. Bonjour, monsieur Tony. Bonjour, madame Midi, même si elle n'est pas là. Bonjour. Et avec la famille Moussiak. Bonjour avec tout avocat qui a coûté nous, qui est là-bas au bord de presse, qui peut en plus solidarité avec nous. Bonjour à Batonier Mouy, qui a coûté, et David Jacquet. Et en tant que moi-même ancien conseiller, bonjour avec tout peuple haïtien, de manière très très spéciale, tout militant, toute organisation de l'homme, vraiment qui est très solide avec moi, parce que je estime que ces derniers temps, surtout les derniers jours, je suis objet d'un pile menace et m'a pris un pile attaque de manière injuste parce que m'a fait des bagages qui sont corrects dans le pays. Bon. Ok, M. Caleb Jean-Baptiste, donc c'est avocat. Ou Nabao Akin, c'est ça? Non. Et Gaïe, moi c'est non seulement avocat, moi c'est ancien conseiller de l'ordre. Parce que moi je veux tout le monde connaître Caleb Jean-Baptiste, et pour tout le monde qui était mal interprété notre langue, moi c'est un avocat qui fait études, et moi c'est un monde qui fait études et classiquement dans le lycée de 7e à philo. Et après de 7e à philo, moi fais université l'État, UH, pour me faire droit. Après 4 ans, pour me soutenir mémoire, quand je suis obtenu 77, je suis choisi, inscrit, parce que là, c'est décret 29 mars 1979. Là. C'est clair, l'offre fait mémoire ou une licence sous la main, ou qu'à inscrit dans un barreau que vous voulez. Moi-même, j'ai estimé le barreau à 15, c'est barreau plus remain, parce qu'il y a plus de 100 années, et j'ai travaillé là à l'époque tout. Et je m'inscris là, et je remets ça, et je suis fier jusqu'à date. Eh bien, Gaïe, pour me faire un petit résumé rapide de l'histoire avant d'entrer dans le détail, ça, yo. Moi, c'est avocat, cap militaire, je suis avocat de la République. La République, selon l'article 52, décret 29 mars 1979, là, qui régit profession, hein, qui dit que l'avocat militant plaide devant toutes les juridictions. Ça veut dire un avocat qui soit avocat militant, il a plaidé dans tout pays sans contrainte, sans problème. Et c'est ça, décret qui régit profession l'ITI. Bon, moi gagné un client moins, il y a quelques clients moins, et qui victime de une dame qui est Yael Johanna Clérier Zurek. Et madame Sajam Dedjou, qui c'est madame Monsieur Fahim Zurek, mon casamio.
et yo te vini nous même comme avocat professionnel expérimenté et compétent, nous te adressé requête nous et avec parquet de Port-au-Prince et toute pièce à l'appui, parquet à lui-même après étude et analyse li décerné mandat d'amener contre madame Yael Joanna Clerier-Surek. Et depuis le 4 et mai qui est passé, la police et la justice, la police de judo